Et coucou. Salut, c'est les successeurs de Disney pour réaction, commentaire, avis de fanart. Vous nous avez énormément demandé aussi celui-là. Je crois que c'est un des plus demandés, je pense. Oh bah oui, tout le monde, enfin tout le monde. Pratiquement, il y a beaucoup de gens. De nous, de vous, de voir nos réactions par rapport à des princesses en manga dessinées par Myriam Aka. Et nous allons commencer tout de suite par Alice. Toi qui es fan d'Alice. J'aime Allez. Beaucoup. On t'écoute. C'est ça que j'ai fait. Non. Non. Jamais on a fait de mon princesse manga. Parce que ça me. Je sais pas, je l'ai. Bah, tu les as peut-être déjà vues, parce possible, que ça tourne. C'est possible, hein, c'est possible. Beaucoup. J'aime beaucoup Alice. Elle est très. Elle est cute. Elle est. Comment? Et le petit lapin avec le petit nœud. Elle est kawaii. En fait, ça change pas beaucoup. Eh ben non, parce que. Parce qu'il y a déjà les gros yeux. Parce que depuis réponse. Depuis réponse, elles ont toutes des gros yeux, donc. C'est joli. Oh ah magnifique. Yeah. Les cheveux et tout. Sexy. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'adore. Mais elles sont jolies, hein, elles sont jolies. C'est vraiment très joli. Mais voilà, vous voyez, on peut pas dire beaucoup de. Bah, remarque, on peut voir à quoi elles ressembleraient si elles étaient sorties en 2016, par exemple, tu vois. Ouais. Bah, ouais. Mais bizarrement, tu vois, les anciennes, je trouve que ça leur va pas. Bah, on s'y habitue. Bah, par exemple, là, ça lui donne un air louche. C'est joli, mais ça me dérange. Mais elle est très jolie, belle. Je trouve qu'il y a un truc dans ses yeux qui me. Ça brille trop. C'est ça, je trouve qu'il y a trop de chichi dans les yeux. Ah, c'est pour les émotions, c'est pour ça les mangas au départ. Ah, le chignon. On dirait le chignon de Poussière Nova. Oui, c'est vrai. Sérieusement. La coiffure que t'as. Par contre, on dirait qu'elle est en train de s'étrangler par le truc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, peut-être que si ça serait pas, ça aurait fait un très grand coup, regarde. Ouais. Le truc noir était peut-être pas obligatoire, mais c'est vrai que. Elle fait un peu. Hautaine, très. Ouais. C'est moi, Cendrillon. Ouais, je t'ai vu. Oh, Elsa de la version Fête givrée. Le mariage givré. On t'en veut pas. As-tu la fête givrée. J'aime bien. Oui. Bah pareil, hein, pour le coup, les yeux, voilà, à part qu'on dirait qu'elle a des papillons à la place des yeux. C'est le mascara, voilà. C'est le mascara qui est fossile. Ah. Très chou. J'aime bien. Une petite fille de 16 ans. J'aime bien Jasmine. Oui. Oui, j'aime bien. Oh! Bah, c'est pareil, hein. Finalement, ouais. Elle a les cheveux. Les yeux assez ronds. Ouais. Mais j'aime bien. Elle est très jolie. C'est harmonieux. J'adore les détails des cheveux et tout. Ah! Oh, les mignons! Voilà. Et ben voilà, ils lui ont fait les yeux bridés. Voilà. Pourtant, en manga en général. Très joli. J'adore les détails des cheveux en fait. Ouais. Super bien. Oh! La John classe, Smith. John Smith. Grand-mère fouille. Non, elle est cool. Elle est pas trop. Elle est pas trop. Pas elle trop, est... elle est juste ce qu'il faut. Oh. Ah. Elle est un peu trop. Non, encore, ça va. Ça, non, la couleur des ça yeux. Ça dérange est super. Pas. Ouais. Encore les cheveux, c'est un boulot tellement titanesque pour tous ces reflets et tout. Mm. Ah, elle fait bien gamine. Oui, alors elle aurait pu éviter de montrer les dents. Ça me... C'est le truc en trop. Ça me pour fait toi. Un côté... Kristen Stewart. Oh non, arrête. Pardon, ceux qui aiment cette actrice, je ne critique pas du tout. Non, mais notre délire avec Kristen Stewart, c'est son jeu d'actrice ne voilà, se joue qu'à ouvrir la bouche. Les dents ouvertes. Oui. La bouche ouverte avec les dents qui ressortent. Oh, pour le coup, elle fait vraiment enfant. On dirait un petit ours en peluche. Oh. elle est trop. On a envie de la prendre dans les bras. Ouais, elle est trop chou. Elle est belle. Hein. J'aime bien, ouais. Elle fait plus jeune. Oui. Oh, tiens. Ah, elle est belle. Ouais. Non, mais ils sont tous beaux. Bah oui, et en même temps, on va pas dire qu'elle est moche. Bah pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de qu'on n'a pas aimé. Hein. Alors, t'as préféré, toi? Eh ben, Mérida. Et j'aime bien Blanche-Neige. Et j'aime bien aussi Tiana. Et j'aime bien Alice aussi. Voilà, donc elles sont toutes bien. Bah, nous, si vous n'êtes pas aussi indécis que princesse, dites-nous dans les commentaires votre préféré et si vous aimeriez qu'il y ait un manga qui sorte sur une dent. Voilà. Bon, on se retrouve très bientôt. Salut.